C'est avec beaucoup de plaisir que Montréal.tv vous dévoile le grand retour des mercredis pique-niques au parc Toller sur Fleury-Ouest. En effet, jusqu'au 1er septembre, les restaurateurs et camions de bouffe de rue vous attendent en formule pour emporter avec des menus qui seront égayer vos papilles. Maude, c'est le grand lancement des mercredis pique-niques ce soir. À quoi on peut s'attendre comme nouveauté cette année? C'est le lancement de notre festival du pique-nique, comme à chaque mercredi. On va avoir encore des food trucks, les commerçants vont être dans le parc. Sinon, les gens sont invités à aller dans les autres commerces qui vendent aussi des mets pour emporter. Ils peuvent apporter leur pique-nique, ils peuvent apporter leurs propres trucs, ils peuvent compléter avec la paella, les tacos. Donc, c'est à partir de la fête nationale jusqu'au début septembre. Est-ce que c'est un événement typique de la vie antiquoise? Oui, tout à fait. Les mercredis pique-niques, c'est vraiment devenu un rendez-vous des citoyennes et des citoyens d'Antique, familial, où les gens viennent avec leur propre pique-nique, leur propre souper, ou alors en dégustant là, les produits qui sont offerts par les commerçants du quartier et les camions de bouffe de rue. Et on sent aujourd'hui, là, il y a vraiment beaucoup de monde. Les mesures sanitaires sont respectées, tout ça, mais on sent le grand plaisir que les gens ont à se retrouver. Est-ce que vous êtes des fervents amateurs des mercredis pique-nique? Ben oui, on habitait dans le quartier juste à côté jusqu'à l'année dernière. On venait assez souvent, puis là, on a déménagé un peu plus loin, mais on vient quand même encore. Donc vous êtes des habitués. On est des habitués, on peut dire ça. C'est chouette, on est dans le parc, il y a plein de monde, il fait beau, bébé joue dans l'herbe. Je veux dire, l'ambiance est vraiment chouette.